Qui ci troviamo a Juba, la capitale del Sud Sudan. Nous sommes à Juba, la capitale du Sud-Soudan, dans le village Don Bosco appelé Gumbo. Il y a un grand camp de réfugiés. Ces mères viennent ici tous les soirs pendant plus d'un mois parce que, pas dans le camp de réfugiés, mais dans le village proche de nous, il y a eu des combats entre tribus, des viols, des rebelles sont venus et ont tout emporté. Vêtements, argent, nourriture, elles n'ont plus de quoi vivre. Ces quelques mots suffiraient pour dire ce qu'est depuis des années Juba, la capitale du Sud-Soudan depuis juillet 2011, date à laquelle elle est devenue indépendante de l'État fédéral dont elle faisait partie. Mais la paix a duré très peu, car 2 ans plus tard, la guerre civile a éclaté entre les Dinka et les Nour. Le conflit entre les deux tribus a commencé bien avant l'indépendance et continue à être la condition constante dans laquelle vit le pays. S'alternent les moments où une tribu prend le dessus sur les autres et vice-versa. Des milliers de personnes qui fuient vers des camps de réfugiés comme celui créé par les Salésiens de Don Bosco en paient le prix. Il y a eu 2 grandes vagues de migration provoquées par autant de conflits généralisés dans la région. L'une en 2013, à la suite de laquelle le camp de réfugiés a été ouvert par les Salésiens, et l'autre en 2016. Une année au cours de laquelle des affrontements ont également eu lieu dans la ville de Wau, qui a motivé l'hospitalité des Salésiens en faveur de milliers de personnes déplacées. Ce camp de réfugiés a été ouvert en 2013, le 16 décembre. Ce jour-là, la guerre a éclaté entre le président et le vice-président. Les gens ont commencé à venir dans notre compound. C'est comme ça que ce camp de réfugiés est né. Nous n'avions jamais pensé ouvrir un camp de réfugiés, c'est arrivé naturellement. Les gens ont été avec nous pendant environ 1 mois, ils ont dormi à l'église et même dans une école secondaire. L'école secondaire a commencé à la fin du mois de janvier, et à ce moment-là, nous n'avions pas d'endroit pour loger les gens. Nous avons donc dû chercher des tentes. Aujourd'hui, plus de 18 000 personnes vivent dans notre camp de réfugiés. Il y a plus de 32 tribus dans le camp et les femmes sont les chefs de famille. Maintenant, je reste ici parce que c'est ici que j'ai ma maison. J'ai 2 enfants, mais je m'occupe aussi des enfants de ma sœur décédée. En tout, ils sont 8. Maintenant, je suis ici parce que les enfants vont à l'école. Selva est à Juba depuis 2013 en raison de la guerre et après la perte de son mari. Mon village est trop éloigné. Je n'ai pas d'argent pour entrer, c'est dangereux. Je resterai dans cette maison que les Salésiens m'ont donnée jusqu'à la paix. Je n'ai aucun problème avec mes voisins. Nous nous entraidons. Si un jour je n'ai pas quelque chose, je le leur demande et ils me donnent un coup de main.
La seconde grande vague de réfugiés fuyant les luttes tribales est arrivée au camp Don Bosco pendant l'été 2016. Lorsque les revendications et les combats ont repris, mettant à feu et à sang le Sud-Soudan et poussant des milliers de personnes vers Juba ou la frontière avec le Kenya. Eravamo ormai nel pomeriggio e stavamo per ritirarci quando a un certo punto. Je veux parler de ce qui s'est passé le 16 août 2016. C'était l'après-midi, nous étions sur le point de rentrer quand une fusillade a commencé tout autour de la ville de Juba. Nous avons pensé à l'une des nombreuses fusillades, mais c'était de plus en plus rapproché et les balles ressemblaient à des feux d'artifice. Elles montaient dans le ciel, tombaient sur les toits de tôle avec un bruit impressionnant. J'étais avec beaucoup d'enfants autour de moi et je me suis demandé quoi faire. J'ai dit, agenouillons-nous et allons dans un endroit abrité. Il y avait une chapelle dans un coin et récitons le Saint Rosaire. Nous avons récité 4 chapelets et à chaque chapelet, la fusillade semblait diminuer. Je crois que la Sainte Vierge nous a protégés car malgré la fusillade, il n'y a pas eu de mort. La prière du rosaire, si chère à Don Bosco, est l'une des caractéristiques simples qui accompagnent l'évangélisation des Salésiens. Leur façon d'évangéliser dans un contexte multireligieux est souvent ouvertement hostile et toujours basée sur un témoignage personnel. Jamais sur une imposition. Et la prière du Saint Rosaire, avec sa douceur chantante, est reconnue par tous comme un moyen maternel d'accueillir, de consoler et de confier à Dieu des soucis infinis, tels que ceux qu'on vit dans un camp de réfugiés. Pendant ce temps, jusqu'à 23 heures, les gens venaient de toutes les directions, en groupe, en fonction de leur village d'origine. Certains d'entre eux nous disaient, « Nous sommes partis ce matin à 8 heures. Maintenant, il est 20 heures. Nous avons marché pendant 12 heures. » Ils étaient épuisés, affamés. Nous leur avons donné tout ce que nous avions à manger dans les conteneurs. Ensuite, nous les avons mis dans les salles de classe et dans la chapelle. Nous avons pensé, Don Bosco ferait la même chose. Nourrir est le premier engagement des Salésiens. Avec l'arrivée de milliers de personnes et la mise en place d'une partie de l'espace de la mission pour en faire un camp de réfugiés, les Salésiens ont accueilli, avec difficulté mais aussi avec enthousiasme, les nouveaux défis à relever. Nous prenons en charge de nombreuses activités, ou mieux, nous en avons pris la responsabilité. Chaque mois, nous distribuons de la nourriture. Évidemment, si la famille est nombreuse, nous augmentons les doses. Nous essayons de donner à chacun les mêmes quantités, même si certaines familles ont besoin d'aide supplémentaire. Nous essayons de la leur donner. Nous disons que la distribution de nourriture est l'une de nos activités principales. La première. Mais il y a aussi l'éducation. Les enfants étudient dans notre école primaire. En effet, 95% des élèves viennent du camp. Je suis content car dans l'évaluation nationale des résultats scolaires, nous occupons la première place. Nos enfants ont passé leurs examens et sont à la première place. Le mérite revient donc à nos professeurs. À Juba, il y a 3 universités et diverses écoles secondaires, mais l'œuvre éducative la plus importante est réalisée dans les écoles primaires, telles que celles gérées par les Salésiens. Avec l'aide et le dévouement de nombreux professeurs.
Scolarisé et éduqué à une cohabitation pacifique avec des enfants d'ethnies et de religions différentes, est très important dans un tissu social comme celui du Sud-Soudan, qui se reconstruit à partir des camps de réfugiés. Même Marie est arrivée ici à cause de la guerre, après le meurtre de son mari. Elle est à Djouba avec 8 enfants et espère, parmi tant de difficultés, leur donner des opportunités. Je suis dans ce camp depuis 5 ans. 6 de mes enfants vont à l'école primaire des Salésiens, tandis que 2 autres vont dans une école publique à Djouba. Je suis heureuse que mes enfants aillent à l'école. Les 2 qui vont à l'école à Djouba fréquentent les écoles secondaires. L'un est en 2e et l'autre en 3e. Je préfère ne pas penser à la vie que je menais à Manakal. J'ai du mal à penser à l'avenir. La vie dans mon pays est très dure. Même venir ici n'a pas été facile et maintenant je suis simplement dans ce camp. Les Salésiens m'aident beaucoup. Ils donnent une éducation gratuite à mes enfants et de la nourriture tous les mois. Si je la finis avant la fin du mois, je peux leur en demander davantage. Je voudrais avoir une petite entreprise, mais le problème est le capital pour la lancer. Quand j'étais à la maison, je vendais des haricots, du sucre. J'aimerais faire quelque chose de similaire. L'autre grand problème est la subsistance, la possibilité de travailler pour des adultes et pour les nombreuses femmes que la guerre a laissées seules s'occuper de leurs enfants. Un défi pour ceux qui, comme les Salésiens, les filles de Marie Auxiliatrice et les filles de la Charité, essaient d'être avec les gens de manière concrète. Aider les femmes à apprendre un métier est essentiel pour offrir une lueur d'indépendance. C'est le projet agricole qui vise avant tout à donner du travail aux mères de notre camp de réfugiés qui ont fui en 2013 et en 2016. Et ont trouvé un refuge, un lieu digne et sûr dans notre camp de réfugiés. Nous travaillons pour préparer les terres à cultiver le maïs, les haricots et d'autres produits. Et nous leur donnons soit une ration de nourriture à emporter à la maison pour toute la famille, soit nous les payons, et de cette manière, elles essaient de devenir autosuffisantes. Je dirais plus, le projet agricole vise avant tout à convaincre les gens ici que s'ils travaillent la terre, ils peuvent devenir autonomes et produire de la nourriture pour eux-mêmes. Les sœurs salésiennes mènent à bien un projet agricole et un projet zootechnique entièrement dédié aux femmes. Elles ont commencé en 2017 avec 150 femmes réparties en 3 groupes. Ce sont des projets de 3 ans avec des programmes théoriques, pratiques et pédagogiques, incluant les mathématiques et l'anglais, qui visent à leur fournir les compétences nécessaires pour élever et nourrir des animaux. Les filles de Marie Auxiliatrice ont également conçu l'opportunité d'aider les femmes qui terminent les cours à se constituer en coopérative pour un meilleur soutien mutuel. Ces femmes viennent des environs. Elles sont déplacées, environ 4000. Ensuite, il y a les femmes du village qui vivent à proximité. Toutes viennent des environs. Elles ne viennent pas de pays lointains. Nous essayons de les aider à apporter quelque chose à la maison. Ici, le gros problème est de pouvoir manger. Alors, cultivant la terre après 3 mois, elles ont déjà ces légumes, ces feuilles et ces boissons qu'elles préparent très facilement. Elles en vendent une partie et ce qui reste leur sert à manger. Et avec ce qu'elles vendent, elles peuvent aussi acheter d'autres choses.
Chacun des 18 000 habitants du camp a derrière lui ou elle une histoire très pénible caractérisée par la persécution de sa tribu. Par l'extermination d'une partie de sa famille, par la fuite désespérée et par de nombreux épisodes de violence. Ouburkamu a 46 ans et vient de Yei. Il est arrivé à l'hôpital de Djouba parce qu'il était malade. Puis, à cause de la guerre, il a découvert que toute sa famille avait été déplacée. Ma famille s'est enfuie et est entrée dans ce camp. Alors j'ai commencé à la chercher et je l'ai retrouvée. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais très heureux. J'ai deux femmes. Avec une, j'ai 6 enfants et avec l'autre, 7. Je peux nourrir mes enfants grâce à la nourriture que me donnent les Salésiens. Je n'ai pas de travail ici. Ce camp est comme une famille, car la plupart des gens viennent des environs. Nous parlons la langue locale, l'arabe, ce qui nous permet d'interagir beaucoup avec eux. Il n'est pas facile d'aider tout le monde à vivre ensemble pour vaincre petit à petit la suspicion et même la haine tribale ou religieuse qui oppose Dinka et Nuer, musulmans, chrétiens et animistes. Mais tout le monde apprend que c'est le seul moyen de vivre et d'offrir un avenir au pays.